Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est la suite de l'épisode 1, la capsule 1, pour ma fanfiction sur Itachi. Cette capsule va traiter sur le volet opératoire, donc je vais mettre un time-lapse à quelque part par là, pour que vous puissiez sauter si vous êtes trop sensible, cœur sensible, parce que je vais mettre beaucoup de détails. Mais pas trop non plus, là. Je vais essayer de pas mettre... Il n'y aura pas d'image d'opération, rien, non, non. J'ai fait des dessins, on voit juste sa face, puis il est caché jusque-là, faut qu'on voit rien, là. Ben, j'ai des images contre quoi, mais je les mettrai pas ici, là. Parce que c'est des cœurs sensibles, etc. Donc, c'est parti. Donc, comme vous voyez aujourd'hui, j'ai pas ma veste de shinobi, c'est derrière ici. C'est pour qu'on voit ce qu'il y a en dessous, puis aussi, c'est pour le volet opératoire, je vais faire un peu différent. J'ai mis ma bague. Ici, c'est une grosse bague. Ça fait 5-6 ans que j'ai 2013, ouais, ça fait 5-6 ans, 7 ans. Ça fait juste quelques mois que j'ai pas mis, je la trouvais plus. Ben, je viens de la retrouver, fait que là, je l'ai mis, parce qu'il est acheté dans ma fanfic à des bagues. Une bague de fiançailles ici. Puis la bague là, c'est peut-être l'autre bord, mais c'est parce qu'elle rentre pas ce doigt là. Elle va juste tomber. Colin, c'est ça. Elle tient pas ce doigt là. Donc, on va commencer. Où est-ce que j'étais rendu à l'épisode 1 la semaine dernière? C'était quand il rentrait à l'hôpital, puis qu'il a mis la jaquette d'hôpital. Il s'en allait vers le bloc. Donc, on va reprendre à partir de là. Donc, je vais mettre une petite image ici. Ça, c'est quand il s'est fait opérer. Comme je dis, on voit pas grand-chose. C'est le drap jusque-là. Parce qu'il met toujours un drap ici. Même s'il est endormi et intubé. Ouais, ça, c'est la partie la plus plate, mais on n'a pas le choix. Les opérations, c'est comme ça. Faut être intubé avec un tube ici. Là. Mais de toute façon, il est endormi, il sent rien. Il s'en souviendra pas de l'opération. Il va être amoché après, mais ça, c'est une autre histoire. C'est pour lui, c'est une délivrance, cette opération-là, parce que ça lui a pourri la vie pendant plusieurs mois, cette maladie-là. Ben, il l'avait déjà avant, c'est comme j'ai déjà dit. C'est juste que les derniers mois, ça s'est beaucoup aggravé. Il a attendu 7 mois pour l'opération quand même, puis 7 mois à subir des palpitations, comme j'ai déjà dit. Palpitations, le souffle court, essoufflé, tout le temps, la fatigue, etc. Mais je vais pas toujours répéter non plus ce que je dis, là, parce qu'on va me trouver fatigante à toujours répéter. Je fais pas exprès de répéter, des fois je m'en rends pas compte. Donc, on va passer aux détails de l'opération. L'opération a duré 4 heures. Au total, donc 90 minutes d'arrêt du cœur, parce qu'ils ont dévié la circulation de la machine, parce que sinon il serait mort. C'est aussi ça qui lui faisait peur, justement, d'être mort pendant une heure, mais bon. Certaines personnes passent par là, pas le choix, parce que tu peux pas opérer un cœur battant. Il y aurait trop de perte de sang, même si ça saigne déjà beaucoup, je pense, ça serait pire encore. J'ose pas imaginer ce que ça ferait opérer sans anesthésie. La personne, elle mourrait de douleur, ça ferait bien que trop mal. Donc, comme je dis, c'est pour opérer comme ça ici. Les clavicules sont là. Ils partent dans tous les clavicules pour aller jusqu'à là. Jusqu'à la base du sternum qu'on voit plus, là, et c'est comme ça. Donc là. C'est une cicatrice d'à peu près, et c'est comme ça, dans l'os, à 6-8 pouces, donc 17 à 20 cm à peu près. Comme ça, ici. Il coupe l'os en deux. Il écarte avec des écarteurs en métal, comme ça. Mais avant d'écarter, il faut qu'il coupe le sternum, évidemment. Il prend une scie chirurgicale, le bougie fait le bougie, j'aime pas, le bougie, ça me... Le bougie, c'est juste la seule chose que, quand je regarde l'opération, même qui m'écœure, c'est le bruit de la scie, sinon ça va. Mais il faut d'abord qu'il coupe la peau aussi, c'est sûr. Coupe la peau, un bistouri cautérisant, il cautérise pour ce que ça saigne. Après ça, rendu à l'os, là, il coupe. Ils vont limer les bords parce que c'est coupant, qu'est-ce qu'ils ont coupé. Puis après ça, ils vont prendre les écarteurs. Oui, je sais, c'est glauque, ça se fait ouvrir puis écarter, je sais. Mais c'est ça, une opération à cœur ouvert. C'est ça qu'elle subit. Après ça, il peut accéder au cœur. Puis, ils vont injecter une. Ils vont mettre des tubes, puis injecter dans les coronaires, les artères du cœur, une solution pour le protéger et l'arrêter éventuellement aussi. Mais pour l'arrêter, ils vont mettre la solution d'abord. Après ça, ils vont pincer l'aorte, qui est la plus grosse artère du corps. Ils vont la pincer pour que le sang ne revienne plus dans le cœur. Puis ça va arrêter le cœur. Mais avant de l'arrêter, ils vont brancher le patient sur une machine pour dévier la circulation pour qu'elle passe la casque dans le corps, mais pas qu'elle passe pas par le cœur. Donc, par un CEC, qui est la circulation extracorporelle. Ici, on appelle ça une machine cœur-poumon artificielle, mais souvent, universellement, c'est connu sous le nom de circulation extracorporelle, et c'est exactement ça. Pendant le temps que son cœur est arrêté, donc 90 minutes, son sang circule à travers une machine, puis ils ont mis de l'héparine, un anticoagulant pour pas que ça fasse de caillot dans la machine, puis après ça, ils vont pouvoir réparer sa valve. Donc, après avoir ouvert le thorax, arrêté le cœur, ils vont pouvoir aller dedans. Donc, ils vont accéder par derrière, parce que lui, c'est l'oreillette gauche, c'est le côté gauche du cœur, fait qu'il va falloir qu'ils vont en dessous. En dessous, ils vont ouvrir l'oreillette gauche, ils vont prendre les écarteurs pour écarter ça, ils vont pouvoir accéder à la valve, malade, puis ils vont faire son excision, s'ils sont pas capables de l'arranger.
Parce qu'au début, ils ont essayé de l'arranger, ils n'ont pas été capables, ça marchait pas. La valve était trop abîmée. Parce que sinon, d'habitude, ils mettent un anneau flexible blanc. Ça s'appelle une annuloplastie. Puis ils vont mettre ça autour, on coûte ça autour. Puis vu que c'est un tissu inerte, ça s'intègre très bien. Sauf que lui, ça n'a pas fonctionné. On a essayé de réparer, mais elle était trop abîmée. Ça fuyait encore. Parce que le sang sortait de la valve encore. Puis c'était pas bon. Puis on a décidé que finalement, il la changerait. Donc c'est ça qu'ils ont fait. Heureusement, il n'y avait pas de cette possibilité-là. Itachi, il savait. Au moins, il n'est pas tombé des nues en sachant ça. Mais c'était l'option qu'il préférait éviter. Mais il n'y a pas eu le choix. Ben, mettons que vivre avec un cliquetis, c'est un petit peu chiant, mais bon. Parce que oui, ils l'ont changé, lui, pour une valve mécanique, parce que lui, c'est un jeune patient. Parce que les patients âgés, ils leur mettent une valve biologique de port, parce que ça ne nécessite pas d'anticoagulant. Sauf que le gros désavantage, c'est qu'au bout de 15 ans, il faut se faire réopérer pour la changer, parce que ça ne dure pas longtemps. Ça dure moins longtemps dans la durée que la valve mécanique qui est à vie. La valve mécanique, c'est une petite valve comme ça. Je vais mettre une photo avec deux petites portes métalliques qui ferment et ouvrent comme ça. À chaque battement de cœur, comme ça, puis ça fait clic, 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 clic. C'est un petit tic, tic, c'est comme une montre, c'est comme le bruit d'une montre que t'entends, là. C'est pas gros, mais c'est assez gros pour l'entendre, mais ça fait genre ça, tic, tic, à chaque seconde. C'est juste weird, la personne, la première fois que t'entends ça, quand t'écoutes la personne, t'entends clic, 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 clic. Ben voyons donc. En tout cas, c'est ça qu'ils ont mis, une valve mécanique, comme je dis, mais sauf que le gros avantage de ça, ça dure longtemps, mais il faut prendre des anticoagulants à vie. Donc, du coup, madame, ou la warfarine, comme ils appellent internationalement, ici c'est du coumadin. C'est pour empêcher le sang de faire des caillots, parce que le sang au contact des petites portes métalliques a tendance à faire des caillots. Et ça peut boucher la prothèse. Si la prothèse marche plus, ben la vie du patient est en danger. Ils changent la valve, ils vont coudre ça dans le cœur, avec un fil résorbable, je crois. C'est cousu assez serré dans la valve, mais ils ont enlevé la valve avant. La vieille valve, il faut mettre celle-là, c'est un remplacement. C'est un petit peu moins gros que la vraie valve, mais ça fait pareil, à ce que j'ai lu. Donc ça vient remplacer la valve native du cœur, comme j'avais dit la dernière fois, qui est au ventricule gauche ici. On voit pas, ma main ici. Là, ventricule gauche, parce qu'on a quatre valves dans le cœur. On a mitrale, c'est celle qui s'est fait remplacer, aortique, juste à côté. Le côté droit, on a la valve pulmonaire et la valve tricuspide, qui a trois petits œillets. Je vais pas faire un cours médical ici, là. Je doute que ça vous intéresse. Après qu'ils se sont assurés que c'était bien étanche, parce qu'ils ont mis un peu d'eau dedans avec un genre de pipette, là. C'est pour s'assurer que c'est bien étanche puis que ça fuit plus. Puis une fois qu'ils se sont assurés que ça fuyait plus, ben, ils massent le cœur parce qu'il y a eu de l'air qui est entré dedans, puis ça c'est mortel si ça reste là. Fait qu'ils massent un peu le cœur pour enlever l'air. Ils vont le masser comme ça ou comme ça, ça dépend, là. Et après ça, quand ils se sont assurés qu'il n'y a plus d'air dedans, ils le referment, puis ils vont le repartir. Ils vont déclamper l'aorte. Et arrêter la cardioplégie. La cardioplégie, c'est pour arrêter le cœur, comme j'ai dit précédemment. Parce que des fois, ils mettent de la glace aussi. Ça, c'est impressionnant, maudit, quand ils mettent de la glace pour refroidir le corps et le cœur, et garder le cœur conservé, c'est froid. C'est avoir ta glace là, Caroline. Mais ça aussi, ils l'enlèvent. Mais des fois, ils mettent de l'eau frette, mais c'est plus de la glace. Donc, après que tout ça est fait, enlevé, ils vont mettre des drains thoraciques. Deux drains qui sont gros comme ça, là. C'est assez gros, là. C'est des gros drains, là. Fait que cœur bien accroché. Ils mettent ça en dessous ici, là. En ce cas, ils vont mettre ça là. Ils en mettent deux. C'est un drain avec deux embouts comme ça. Puis ils vont peut-être en mettre un troisième ici, entre les côtes, pour filtrer le sang qui peut s'avancer dans le poumon. Parce que c'est pour évacuer le sang, le vieux sang qui s'accumulerait, qui pourrait faire pression sur le cœur. C'est pas bon. Parce que le cœur supporte pas d'avoir des pressions, ça peut l'empêcher, ça peut l'arrêter de battre. Donc c'est pour évacuer ça, les liquides, surtout le sang. Après ça, ils vont laisser battre un petit bout sur la CEC. Après ça, à un moment donné, ils vont arrêter la CEC pour voir s'il est capable de battre tout seul, sans aide. Puis s'il n'y a pas de problème, là, ils vont refermer le thorax. Sinon, ils vont intervenir. Ce qui est logique, je dirais. Pour refermer le thorax, c'est assez simple. Ils prennent du fil métallique flexible qu'ils vont prendre avec des pinces. Qui a un bout pointu, ils vont le rentrer comme ça. Ils vont couper le bout. Après ça, ils vont refaire comme ça un tour. Comme ça, il y a deux extrémités qui mettent ensemble, puis ils vont le torsader ensemble. Puis après ça, ils vont couper le bout excédent. Puis après ça, ils vont le rentrer comme ça, pour pas que la personne se pique, c'est évident. Parce que si ça dépasserait, puis ça serait piquant, ça serait désagréable. Puis une fois que tout ça est fait, ben, l'opération est finie. Contrairement aux autres opérations, ils extubent pas direct après l'opération. Puis ces opérations-là, la personne va directement sur l'intensif, encore intubée et endormie. Parce que c'est une grosse opération lourde qui peut causer une défaillance des organes dans l'immédiat. Donc, c'est envoyé en réanimation ou en la réanimation de cardiologie, donc les soins intensifs avec les patients malades. Mais ils sont envoyés d'abord en salle de réveil.
genre une heure. Après ça, ils sont envoyés au soin intensif, puis ils sont étroitement surveillés. Pas de ça qu'il n'y ait pas de complications, rien là. Et l'épisode 3 va commencer sur quand il s'est réveillé. Enfin, ça, c'est le volet opératoire. Donc, les fanfictions sont ici. Toutes mes fanfictions sont là. J'ai celle que j'ai faite en 2017. Celle 2018-2019 qui est encore en cours. Puis j'ai d'autres cartables, là. D'autres trucs. Et mes micros, là, vous les voyez pas. Mais c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pas vomi votre repas, votre déjeuner, votre dîner, je sais pas. Que vous avez le cœur bien accroché parce que c'était un peu dégueulasse, j'avoue. Heureusement, j'ai pas mis d'image, je le ferai pas. Je suis pas creepy à ce point-là. J'ai mieux expliqué comme ça que mettre des images parce que ça serait dégueulasse. De toute façon, le monde sera très capable d'imaginer. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Des wa. Janet.